Hello les amis, j'espère que tout va bien pour vous. Je suis hyper contente de vous proposer, voilà, en cadeau, une vidéo du studio aujourd'hui, du nouveau challenge, hein, le challenge Feel Good que je vous propose durant ce mois de juillet. On va vraiment explorer l'élément principalement du feu, mais dans son côté good vibes, dans son côté très solaire, très connecté à la joie. Et voilà, ça me tenait à cœur, encore une fois, de pouvoir vous proposer la première séance ici sur YouTube de ce challenge Feel Good. Et on va axer cette session autour, évidemment, de l'énergie, de l'émotion, de la joie. Donc, l'idée, c'est d'aller vraiment rallumer cette flamme dans le corps à travers le mouvement. Donc, petite session, vous allez voir, très efficace. Donc, n'hésitez pas à la pratiquer, éclatez-vous, n'hésitez pas à partager vos retours, vos sensations aussi. Et puis, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez nous rejoindre aussi dans Flow Energy Studio, où justement, vous aurez le accès à ce challenge de 7 jours autour, justement, de cette énergie. Énergie, feel good, good vibes, joie. On va se reconnecter aussi beaucoup à la gratitude et recréer du coup cet espace aussi dans le corps. On vous met de toute façon toutes les infos ici en dessous si vous voulez nous rejoindre dans le studio. Et ce challenge, il sera, donc il est accessible uniquement aux membres qui sont inscrits, hein, dans le studio en ligne. Et il sera accessible à vie, c'est-à-dire qu'on va laisser le challenge. Donc si vous voulez le refaire, il n'y a aucun souci bien sûr. Je vous laisse ici avec ce flow pour vraiment venir allumer la joie. Kiffez, profitez et puis au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Bienvenue à vous dans ce challenge Feel Good. Je suis hyper contente de démarrer ce nouveau challenge avec vous. C'est un challenge que j'enregistre durant l'été, donc on est évidemment connecté à l'élément du feu, mais on va pas être comme sur le challenge on fire, vraiment en mode waouh, hyper boost. Ici, on veut vraiment, j'ai vraiment l'intention de vous amener des good vibes en fait. C'est un challenge good vibes. Je pense qu'on a besoin de ça, vu ce qui se passe dans le monde aussi en ce moment, d'avoir vraiment de se connecter aussi à cette joie, à cette bonne humeur, à cette légèreté aussi. Donc c'est vraiment l'intention durant ces 7 jours où on va être ensemble. Vous pouvez bien sûr regarder et faire les vidéos à n'importe quel instant de manière ponctuelle, hein. Vous n'êtes absolument pas obligé de faire tout le challenge, mais en tout cas voilà, c'était vraiment l'intention que j'avais envie de vous proposer ici avec ce challenge Feel Good. Et on va commencer pour le premier jour avec un Joy Flow. Donc on va vraiment se connecter à la joie. Je n'ai pas fait une session trop longue pour que justement vous puissiez la faire dès que vous sentez que voilà, on a besoin. Parfois, on est dans un mood un peu caca-boudin, comme j'aime bien dire. Et c'est important d'aller libérer les émotions inconfortables et voilà, qui ne sont pas super... super sympa à vivre. Et on peut aussi voilà, aller booster notre humeur en fait. On a vraiment cette capacité d'aller shifter notre humeur aussi. Et le Joy Flow, il est là pour ça. Voilà, pour vraiment nous ramener dans le cœur, dans cette joie, dans ce soleil intérieur aussi. On va travailler beaucoup avec des mouvements solaires, hein, pendant ce flow, ce challenge, pardon, Feel Good aussi. On va vraiment être dans l'ouverture ici, beaucoup du cœur et du plexus. Et travailler avec le feu, mais d'une manière vraiment créativité, joie, plaisir. C'est vraiment les intentions, en tout cas, de ce challenge et de ce flow. Donc voilà, c'est parti. Je vous en dis pas plus. On va vraiment laisser le corps explorer tout ça. Et on va commencer, comme toujours, évidemment, au centre du tapis. Et on va prendre un instant déjà pour atterrir là, pour observer un petit peu comment c'est dans le corps. Et c'est pas obligé d'être déjà la joie. On prend ce qui est là en fait. On prend ce qui est là. Et c'est ok. Et on prend le temps d'observer un petit peu comment c'est là. On essaye de donner l'espace à la respiration. On va commencer par des soleils, mais un petit peu modifiés. Donc on va plonger ici. Mais cette fois-ci, on va venir prendre les paumes de main vers l'avant et venir ouvrir pour accentuer vraiment ce mouvement solaire et regarder vers le ciel. Et chat. Et respire. Et on ouvre grand l'espace. Et on vient déjà recréer
eh bien, de la place, de la lumière dans le cœur, dans le plexus. Ouvrez grand les paumes de main, écartez bien les doigts. Et un dernier. On va ouvrir ici les deux pieds. Et on va partir sur des petits rebonds. Rebond ici. Et puis, ouvrez grand et relâche, rebond. Et ouvrez grand à nouveau. On plie. Et on déploie vers le ciel. Plie notre posture ici, elle est super importante. La joie, on peut la ressentir là. Et on y va, rebond. Tcha et ouah. Ouvrez encore. Et déploie. Et un dernier. Hop. Et déploie. Et puis on ramène les pieds un petit peu plus vers le centre. On ouvre les bras et on va partir sur celui-ci. On va aller glisser le long du corps et ouvrir. Cha. Et on laisse le corps se déployer pour accueillir justement et vivre cette joie. On change de côté. Et on active aussi l'énergie, hein, puisqu'on est quand même dans le feu. Donc c'est plutôt dynamique comme énergie aussi, plutôt yang dans ce flow. Et puis on revient au centre et on peut balancer, relâcher les bras tranquillement. Alors ensuite, on va venir sur le côté et venir balancer les bras donc d'un côté à l'autre et venir pointer. Pointez et respire et pique à chaque fois vers le sol et puis on fluidifie pour monter et vers le haut et puis on redescend. Laissez faire le corps, ça doit pas être bien fait. Ce n'est pas du tout l'intention de flux énergie, c'est juste de... Et on redescend pour revenir au centre du tapis. On va plonger ici avec le sommet du crâne, enroulé. Quand on arrive en bas, on déroule et on déploie à nouveau vers le ciel. Et on plonge. Déroule. Et ouvre grand l'espace et encore plonge et ouvre grand et reviens et on va écarter un petit peu plus les deux pieds ici, on peut ouvrir vers l'extérieur et on va mettre nos poings au niveau du nombril, on va plier et remonter l'énergie et chat. Vraiment, on va aller puiser l'énergie de la terre pour la ramener et rallumer cette flamme de la joie dans ce flot. Et et plie. Remonte. Et remonte. Et cette fois-ci, on va pousser vers le ciel pour ouvrir et relâcher. Alors ici, on va plier. Montez les bras et on va laisser couler en glissant, en tournant plutôt le bassin d'un côté et plie et montez de l'autre. Et on laisse couler et on vient vraiment faire danser cette flamme de la joie là à l'intérieur de soi. Et plie et montez, tour et laissez. Faire ici le mouvement. Et plie. Un dernier. Et bassin. Laisse couler. Et puis on ralentit. On revient au centre. Et on va venir balancer les bras.
vers le ciel. Et on peut vraiment regarder aussi vers le ciel si besoin. Et cha, ta, respire. D'un côté à l'autre et on ralentit le mouvement pour revenir au centre. On va calmer un peu le rythme avec des soleils ici. Et go. Ouvre grand l'espace. Et encore. Et droite. Et gauche. Et ouvre. Reviens au centre. On part sur le lasso. Donc ici, on va venir hop. Lasso. Donc on vient vraiment à nouveau, on peut visualiser cette flamme de la joie ici qu'on vient, vous voyez, remettre en mouvement. Et puis on change de sens. Hop. Et reviens au centre, on va écarter les deux pieds. On va venir placer les mains ici en prière inversée vers le pubis et on va plier. Et puis faire monter vers le cœur et plie et monte comme si on venait vraiment remplir le cœur, on puise dans la terre et on vient faire remplir de joie, de tout ce qu'on veut et monte et hop et puis un dernier, on va plier et monter et pousser vers le ciel, ouvrir, rester là quelques instants, sentir cette joie ou peut-être d'autres émotions agréables et relâcher pour revenir au centre. On va placer les mains sur le cœur. On peut garder les yeux ouverts, on peut également les fermer et venir se connecter là. On peut aussi être au niveau du plexus, avoir les deux. On va déployer les bras pour ouvrir, déployer toute notre joie ici et revenir vers le centre. Et déploie, ouvrez, 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 comme si on voulait distribuer cette joie autour de nous, mais en gardant aussi pour nous bien sûr. Et reviens, et une dernière fois, on ouvre. Grand l'espace, puis on revient vers le cœur. Et on peut relâcher les bras le long du corps. Yes, voilà pour notre Joy Flow. Comme je vous disais, c'est une session courte. Vous allez pouvoir vraiment faire, dès que vous avez besoin d'un coup de boost aussi, de vous reconnecter à cette émotion qui est quand même très agréable et qu'on ne vit pas toujours non plus. On peut aussi la refouler, cette joie. Donc allons aussi l'exprimer, allons la vivre dans le corps. On se retrouve avec joie dans les prochaines vidéos du challenge Feel Good.